Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Le quintet de vendredi 16 juin sera à Paris 21. Un quintet d'athlètes sur une distance classique de 2700 mètres grand et petite piste. C'est une course européenne pour Sey. Ce quintet se déroulera sur la quatrième course de Sérignan. Elles seront 16 au départ de ce quintet avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 2, Motière, 7,5 contre 1. Le 4, Jean-Philippe Dubois, 5 contre 1. Le 5, Franck Nivard, 12 contre 1. Le 7, Éric Raffin, 9 contre 1. Le 13, Jean-Michel Bazir, avec 3,5 contre 1. Et enfin, le 16, Alex Abrevar, avec 11 contre 1 à la côte. La ligne d'arrivée à 250 mètres, c'est la classe qui va parler dans ce parcours. On a une écurie d'entraîneur, c'est le cas de M. Thierry, il est le 6 et le 14. Nous passons à la sélection de deux chevaux. Sélection 2-7, Suyo le 4, les belles chances sont le 13, le 16, le 15, le 5 et le 8. Les gros tocards ou les piments de la course, ce sont 4 chevaux, le 6, le 1, le 9 et le 12. Aussi, on a des belles outsiders comme le 15, le 3, le 14 et le 10. Passons-nous aux bases de ce quintet. Première base, le 13. Deuxième base, le 4. Possible pour le 2 comme favori logique. Les ascendants, les 2, 4, 7. Écurie, 6, 14. Entraîneur, enfant, 7, 13. Jockey, enfant, 10, 14. Le classement, comme vous voyez, les 6 grands favoris en haut. En haut, 13, 4, 2, 7, 16, 5. Outsider, 15, 8, 3. Tetoka, 14, 10, 6. Et les non-cités, on a 4 chevaux, le 1, le 9, le 12. Et le 11. La base de 3 chevaux. 4, 13, 2. Confidentiel. 13, 7, 2, 4. 5, 10, 15, 16. Pourquoi pas le numéro 7. La liste type. On a 2, 4, 7, 13, 16, 15, 5, 8, 10, 3, 14 et 2. Les étoiles pour 3 chevaux. Le 4, le 16 et le 13. Les meilleures chances aussi, on a le 15 4 fois, le 16 3 fois. Alors que l'analyse a donné 13, 10, 5, 4, 7, 14, 12, 16, 15, 2. Et qui dit 4, 16, 13, 7, 15, 2, 8, 10. La gazette 13, 4, 7, 2, 16, 5, 15 et 10. Paris-tu pronostic par Bruno Jolivette. Elle a donné 4, 13, 2, 7, 16, 5. 15 et 10. Les chances régulières pour le 8, le 3, le 6, le 14. Les outsiders, 12, 9 et les gros outsiders, le 1 et le 11. La dernière minute sera pour le 16 et le coup de folie peut-être sera le numéro 7. Les pros d'entraîneurs, ils ont donné pour vous 4, 13, 2, 5 fois, 7, 16, 5, 4 fois, 15, 10, 8, 3 fois, le 3 et le 6, 2 fois. Non cité pour eux, c'est le 14. Le jockey à suivre dans ce quintet sera le numéro 13. Et les non cités pour toute la presse, on a 4 chevaux, le 1, le 9, le 11 et le 12. Le niveau de cette course sera assez difficile, 27 degrés ensoleillé, le terrain sera bon. Alors que le creux sera le numéro 16. Dans le creux de l'oreille, pour les 8 chevaux, 4, 7, 13, 15, 16, 2, 5, 8. Paris course, 7, 13, 2, 4, 15, 10, 8, 16. Le parisien, 4, 2, 13, 15, 10, 7, 3 et 6. Par rapport aux chevaux repérés pour vous, dans les jumelles, on a le 2. La spécialité sera le numéro 4 et la découverte sera le numéro 7.
Alors que les favoris des médias en ordre, on a 4, 13, 16, 7, 2, 15, 5, 8, 10, 3, 14 et 6. La conclusion de Paris-Course, 4, 13, 7, base, 2, 16, 5, tuyau, outsider, 8, 15, en cas de nos partants numéro 10. Et l'outsider subdivision de ce quintet sera peut-être le numéro 16. Alors passons au passé de ce quintet. On va voir les cotes. Le grand favori en tête. Deuxième aussi en favori. Le troisième en tout cas avec 27. Le quatrième, le deuxième favori, quatrième. Et un autre favori au bas du tableau des favoris qui est classé 5 avec 13 contre 1. 2021, toujours le grand favori en tête. Un outsider deuxième. Aussi un outsider troisième. Un favori avec 9 quatrième. Et un toka avec 26 contre 1 était quatrième. Alors jouez avec prudence vos jeux comme des bases. Des favoris, trois favoris, base, en ajoutant un outsider en tout cas dans vos bases. Comme ça, vous pouvez jouer un champ total ou un champ réduit, ça dépend de votre agent de poche. Je vous souhaite toujours de bons gains et de bons rapports. Je vous retrouve demain à la même heure pour vous donner mes infos sur le quintet de samedi. Bonne soirée et à bientôt.